Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous rapidement. J'ai un petit message très important à partager avec vous. Qui me tient vraiment à cœur. Il fallait que je le partage depuis pour des raisons involontaires, puis je n'ai pas pu le faire plus tôt. S'il vous plaît, connectez-vous rapidement. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous soyez, connectez-vous. Connectez-vous. On parlera du pouvoir du silence dans ta vie. Et une petite astuce, tais-toi, écoute. Si on n'arrive pas à terminer aujourd'hui, on aura un autre show pour le faire. Donc, rapidement, connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis, on va parler rapidement de quelque chose, c'est le moment qu'on passe à l'action, qu'on soit plus pratique, parce que c'est bien beau de faire des grands débats, mais on cherche les solutions, on cherche les solutions, les théories on les a maintenant et il faut des pratiques, alors s'il vous plaît, je vais partager le live sur ma page, moi. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va parler du pouvoir du silence dans ta vie. On en a parlé depuis longtemps. Et je vous donnerai quelques astuces pratiques. Parce que nous sommes des chrétiens, mais il faudrait qu'on arrête d'être des chrétiens du dimanche et qu'on soit vraiment pratique. Parce que il y a une différence entre la théorie et la pratique et on a plus besoin de pratique de nos jours que de théorie. S'il vous plaît, connectez-vous, invitez vos amis. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui se connectent, merci d'être là. Écoutez ce petit message. On va attendre quelques minutes. Qu'il n'y a pas plus de personnes qui se connectent. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, envoyez-moi des likes ou faites-moi un message, je veux savoir. Si la connexion est bonne, parce que... Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont connectés, c'est moi, signe, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Ok, je vais commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois pas de message. J'estime qu'on m'entend. Peut-être on ne veut pas se faire voir. Je ne sais pas. Juste pour savoir si vous m'entendez, en fait. Bonjour. C'est mon nom, Bricia. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui vont regarder ça en replay parce que c'est un petit live rapide. Je disais que j'aimerais vous parler de quelque chose de pratique et quelque chose de... Parce qu'on a beaucoup de théories, oui, on lit la Bible en tant que chrétien. Je suis chrétienne, femme de Dieu. Je crois beaucoup à ce que... Les temps changent, mais les temps changent par rapport à ce, aux actions qu'on pose. Les temps changent et notre vie change en même temps par rapport au à la manière et la rapidité à laquelle nous changeons nos pensées, c'est-à-dire notre manière de faire les choses, notre manière d'agir. Je t'ai dit dans les précédentes vidéos de faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu dis, à ce que tu regardes. C'est très important parce que ces différentes astuces sont peut-être à négliger. On les néglige, on n'en prend pas
on ne prend pas vraiment, on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute affecte en fait nos pensées, et nos pensées en fait affectent nos actions et notre vie en fait en résultat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de commencer ce petit live en te remerciant d'être là et te donner quelque chose de pratique. Je t'ai parlé de comment, de parler de la protection qu'il faut protéger, il faut choisir ton environnement, il faut choisir les gens avec qui tu t'entoures. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux psaumes dans la Bible qui m'ont aidé, qui m'aident toujours, que j'utilise toujours dans ma vie. Ce sont les deux psaumes puissants, 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 puissants de la protection. Oui, psaume de la protection, c'est la Bible, on la lit tous, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Ok? On ne sait pas comment l'utiliser. Ils m'ont été donnés relevés par un prêtre. Il a utilisé pendant une période très difficile de ma vie, une période dans laquelle je me sentais perdue, une période dans laquelle en fait, j'étais vraiment, comment dire, perturbée émotionnellement et tout ça, quoi. Donc, ces psaumes, en fait, je les ai mémorisés. Ces psaumes, en fait, ma famille les a mémorisés et ça nous a permis de traverser beaucoup d'étapes, en fait, qui, ma foi, pouvaient s'avérer plus graves, mais par la protection du Seigneur, et oui, tout ce qui est dans la Bible, c'est un outil de travail. Mais comment on l'utilise, c'est là la différence. Parce que toi et moi, on peut lire la Bible, mais on ne l'interprète pas de la même manière. Donc, le pouvoir est dans l'interprétation et dans l'utilisation, ce n'est pas seulement dans la lecture. Comme je te disais, c'est bien beau d'aller dimanche à l'église, mais quand tu vas à l'église, tu reviens de l'église, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu ne peux pas aller à l'église et tu as un corps sale. Le cœur sale par cœur sale, je dis quoi? Un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Tu as toujours de la haine pour la rancœur pour ton frère, ta soeur et quelqu'un de la famille. Et tu vas à l'église le dimanche, tu vas, tu chantes, tu loues. Et c'est un cœur faux en fait. Ton cœur n'est pas pur parce que tu n'as pas pu te libérer de ce fardeau-là. Donc, aller à l'église avec un cœur pur, ça compte beaucoup. Oui, ça compte beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de deux psaumes qui m'ont vraiment aidé. Les deux psaumes de la protection, les deux psaumes de la guerre. C'est tellement puissant. Il faut les mémoriser et en faire de ça une hymne. Comme c'est plus facile qu'on mémorise des chansons qui ne nous apportent rien dans la vie, mais il est temps qu'on mémorise des psaumes. Il est temps qu'on mémorise la parole de Dieu et qu'on l'utilise. Parce que je t'ai dit que la bouche, le verbe, on dit le verbe était cher et il a habité parmi nous, c'est par la parole que Dieu a fait le monde, c'est par la parole que Dieu a construit ce qu'il a construit. Okay? C'est par la parole que l'homme conçut et détruit sa vie. Et la puissance, en fait, de quel psaume on parle? On va aller rapidement. Je parle du psaume 3. Oui, psaume 3 et le psaume 91. Ah oui, je vous assure. Le psaume 3 et le psaume 91. Le psaume 91 à côté de moi que j'ai aussi mémorisé. Je lis rapidement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'aube du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la pêche et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras son refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu verras la rétribution du méchant, de tes yeux seulement regardera, et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il te portera sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau et sur le dragon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse, te dit le Seigneur. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et le ferai contempler mon salut. Je vous assure, répétez ce psaume et le psaume numéro 3. Éternel, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui. Mais toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Seigneur, je vous dis, je vous confie ces deux psaumes qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider dans les moments de trouble. Quand je te dis, tu te lèves le matin et tu bonifies ton atmosphère. Ces trois psaumes, ces deux psaumes, le psaume numéro 3, le psaume numéro 91, sont l'un des psaumes les plus importants. Il y en a beaucoup, mais je te donne ce que moi je connais et ce que j'ai utilisé so far. Il y en a beaucoup. Peut-être tu en connais plus que moi et je n'en connais pas. Mais c'est ce que j'utilise et ce que je te donne des clés en fait pour moi.
pour la protection de ta famille, pour la protection de ta maison, pour la protection de tes enfants. Pour la, tu vas au bureau, tu récites tes psaumes. C'est-à-dire que tu récites en même temps que tu mémorises les psaumes. Ça devient un hymne en fait. Tu es en période de danger, tu récites ça. Éternel, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent contre lui, point de salut auprès de lui. Tu récites, tu répètes, tu déclares. Je te dis de déclarer sur ta vie. Je te dis de déclarer, tu as le pouvoir là, Dieu t'a donné ce pouvoir. Utilise ce que Dieu t'a donné à bon escient. Utilise ce que Dieu t'a donné, les astuces sont là, les trucs sont là dans la Bible. Alors c'était pour commencer, ces deux psaumes que je dis sont très importants, qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider. Et c'est juste, comment dire, se laisser guider par la parole en fait. Il n'y a rien de plus, se faire baigner par la parole, se faire imprégner par la parole de Dieu. Il n'y a vraiment rien de plus beau en fait que d'habiter dans la maison du Seigneur. Donc c'était ça pour commencer. Et j'ai envie de te dire, en fait, le pouvoir du silence. Et la dernière partie, j'ai parlé du silence au début, des avantages, des avantages, parce que ça n'a pas d'inconvénients, c'est des avantages. Et qu'est-ce que le silence, en fait, juste répéter rapidement, qu'est-ce que le silence, en fait, quelle était l'importance du silence, qu'est-ce que le silence faisait dans ta vie, pourquoi le silence est important dans ta vie. C'est important parce que le silence te permet d'être en communication avec le Seigneur. Le silence, c'est un moment réservé en fait, dans lequel je te permets à toi-même de te reconnecter avec toi-même et te reconnecter avec la force divine. C'est ça la puissance du silence. Le silence te permet de découvrir toi-même qui tu es au fond de toi. Tu ne peux pas te reconnaître toi-même au milieu de beaucoup de gens. À un moment, il faut se retirer. Donc, c'est important de faire le silence autour de soi à cause de ça. Et le silence, en fait, qu'est-ce qu'il permet? Il augmente, en fait, ta productivité. Il augmente ta créativité. Il augmente, en fait, tu es libre, en fait. Et ce silence-là, et généralement, je l'ai recommandé jusqu'à les premières heures du matin. Ne commence jamais ta journée en ouvrant Facebook. Ne commence jamais ta journée en ouvrant ton téléphone. Ne commence jamais ta journée en répondant à un email, en fait. Dès que tu le fais, en fait, tu confies ta journée dans le pouvoir de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. La première chose, tu te lèves le matin, tu remercies le Seigneur. Tu remercies le Seigneur. Je t'ai parlé dans une petite pépite du pouvoir de la gratitude. On se plaint et on oublie de remercier le Seigneur à chaque fois qu'il nous bénit. Mais tu dois remercier le Seigneur dans les bons moments, dans les mauvais moments. Chaque jour, tu te lèves, la première chose, merci Seigneur. J'ai vu un nouveau jour. Merci Seigneur de m'avoir permis d'ouvrir les yeux. Parce que tu as ouvert les yeux aujourd'hui. Celui ou celle, il y a quelqu'un qui n'est pas là, il est parti dans la nuit. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre sur le lit. Et toi, tu es debout. Tu es debout, tu as les yeux ouverts. Donc, c'est une grâce d'être en vie. C'est une bénédiction d'être en vie. OK? Et je t'ai parlé de ça, en fait. C'est très important de se confier au Seigneur. Pendant ce moment de silence, en fait, le Seigneur nous parle. On l'écoute. On l'écoute parce qu'on fait taire le monde autour de nous. On lui donne la priorité dans notre vie. Donc, c'est très important. C'est très important, ce silence-là. Alors, je te dis aujourd'hui, écoute et tais-toi. Tais-toi, écoute. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes, en fait, dans les couples et dans les relations, en fait, en général, pas seulement dans les couples, on n'arrive pas à écouter les autres, en fait. On n'arrive pas à faire silence. Donc, le silence, il va vraiment plus loin. Le silence, vraiment, il a vraiment des vertus que indéniables, en fait. À cela, de 30 minutes, de 15 minutes, ne peut même pas suffire à parler du silence. Mais on va parler et résumer le maximum qu'on peut parce qu'on veut des stratégies vraiment qui vont nous aider dans notre maison, dans nos ménages, dans notre vie, avec nos enfants et tout. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. D'abord, le pouvoir, juste répéter, de garder le silence, en fait. Le pouvoir de ta langue, OK? On dit, par exemple, écoute, OK? Quand tu fais silence autour de toi, c'est le moment pour toi d'écouter. Coucou, love, how are you? Thanks for being here. On te demande, en fait, le pouvoir de l'écouter. Non, it's time to speak and the time will come. C'est-à-dire que tu écoutes. Pendant que tu écoutes, le moment, l'inspiration de Dieu arrive. Tu es là, tu pries, Seigneur, donne-moi ton inspiration. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je ne réserve cette heure-là que pour toi. Et le Seigneur va te parler. En fonction de ton inspiration, en fonction de la purité de ton cœur. Et qu'est-ce que le silence aussi fait? Le silence te permet de grandir dans l'humilité. Le silence te permet de grandir dans l'humilité, en fait. Dans l'humilité, tu deviens une personne humble, tu deviens une personne, tu te rabaisse en fait, tu te soumets à la volonté du Seigneur dans ta vie. Donc tu bannis toute inquiétude, tu bannis tout doute, tu te confies au Seigneur, tu deviens humble. Parce que le Seigneur nous a demandé d'être humble, d'être tout petit comme les petits-enfants, d'être aussi humble que les petits-enfants pour rentrer dans son royaume. Et pour ça, il faudrait que tu fasses en sorte que le Seigneur puisse te parler, tu l'écoutes, mais que tu fasses silence. C'est très important. Tu deviens
un donneur sans le savoir, parce que tu donnes ton temps. Oui, tu deviens ton temps, you become a giver. Tu donnes ton temps, en fait. Et ton temps, on dit que tu dis souvent, le temps, c'est là, c'est un truc le plus précieux, quelque chose de plus précieux qu'on donne à quelqu'un. Lorsqu'on prête de l'importance à une personne, on lui accorde son temps. On s'arrête de faire ce qu'on fait pour l'écouter. Et c'est un pouvoir très important qu'on néglige. Lorsque tu arrêtes ce que tu fais pour écouter quelqu'un, tu lui donnes de l'importance. Tu deviens un donneur, tu lui donnes de l'importance en fait, que tu te rends compte ou non, tu lui donnes de l'importance. Tu dis, oh, rien n'existe plus autour de moi, rien n'existe que toi seulement. Je t'écoute et je te parle. Et je t'écoute me parler et je suis là pour toi, rien que pour toi. OK? Tu prends le temps d'écouter avec cette personne, de parler avec la personne-là, avec ton Dieu d'abord. C'est un don. C'est un don. C'est un don et c'est une vertu, le silence, c'est une vertu. On parle de nous, the more you talk, the bigger you change your transference. C'est-à-dire que tu apprends à être silencieuse. C'est-à-dire qu'en apprenant à être silencieuse, tu apprends à écouter la voix qui est à l'intérieur de toi. Tu apprends à écouter ce que Dieu a mis en toi. Tu apprends à découvrir le petit truc qui est à l'intérieur de toi. Cette spécialité que tu as, en fait, que les autres n'ont pas. Mais en faisant ça, tu écoutes. Et généralement, les autres nous disent, en fait, on nous conseille d'aller, en fait, dans sa petite chambre avec son cahier. D'aller en fait avec un petit mot, en fait, c'est très important. Lorsque tu pars pendant ce moment après avoir médité dans ce silence, c'est là où Dieu se révèle à toi. Et tu écris, c'est-à-dire que tu écris, généralement, on conseille d'écrire, parce que nous, on n'a pas cette manière, on n'a pas cette habitude, cette notion d'écriture, mais on nous le conseille. On nous le conseille, je l'ai appris très tôt, Dieu merci, d'écrire, d'écrire, d'écrire. C'est très important parce qu'on oublie facilement. On oublie facilement et il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie, du subitement, on n'a pas préparé. Et si ce n'est pas noté, ben c'est parti, en fait. Et la pensée, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On n'arrive pas à contrôler ça des fois comme ça. Et pour contrôler, il faut vraiment une certaine attitude, une certaine aptitude, en fait. Et c'est pas donné, en fait. C'est pas donné comme ça. Donc, il faut vraiment noter, en fait, ce qui vient en esprit pendant cette période de silence. Si c'est une inquiétude, c'est une révélation, on l'écrit. On l'écrit. On l'écrit. On l'écrit. C'est très important de noter ça. Le silence te permet d'obéir, en fait. Le silence te permet d'obéir. Et ça te permet d'avancer, en fait. Ça te permet d'avancer dans ta conception. Il y a des moments, pendant ce moment de silence, je vous assure, tu as des questions que tu te poses sur ta vie. Tu as, par exemple, un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Tu as quelque chose et tu arrives, tu te confies à ton Seigneur. Tu te confies à ton Seigneur. Je vous assure, tu n'as personne. Donc, tu prends le téléphone, tu le fermes, tu le mets quelque part et tu parles avec ton Seigneur. Je t'assure que si ce n'est maintenant que la révélation arrive, généralement, c'est un petit flash qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver, une petite solution. Ou dès que tu finis cette prière-là, quelqu'un va t'appeler. Ou dès que tu finis cette prière-là, il y a quelque chose dans ton univers, dans ton environnement, qui va te permettre de recevoir en fait ce qui te manquait. Je vous assure, essayez ça. Le pouvoir de garder le silence, le pouvoir d'être en silence, c'est très important. Tu ne peux pas écouter Dieu dans le bruit. Tu ne peux pas écouter Dieu dans le bruit. Tu ne peux pas avoir des bénédictions dans le bruit. Et comment dire, quand tu gardes aussi le silence dans le machin, surtout pour une femme, tu donnes la grâce à ton mari. C'est un pouvoir, c'est la grâce. C'est l'un des atouts de la grâce, une femme gracieuse et une femme silencieuse. Je ne dis pas de garder le silence, de ne rien dire, de ne pas participer à la conversation. Non, 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 non. C'est une des vertus de la soumission. Mais la soumission a ses qualités, la soumission a ses trucs. Et comment dire, tu apprends à prier avec Dieu en tant que femme. Tu apprends à prier avec Dieu. Quand je t'ai dit, dans la période de préparation, tu te prépares toi-même. Tu te prépares toi-même à devenir femme, à devenir mère, à devenir épouse. On ne se lève pas, on ne se jette pas dans une relation comme ça. Lorsque tu le fais et tu te rends compte que ben, tu t'es jeté dans une relation, il y a eu des problèmes qui sont arrivés ben, parce que tu n'étais pas préparé. Donc le silence te permet dans ce moment de silence, dans ce moment de préparation, tu prépares ta journée dans le silence, tu prépares ta vie dans le silence, tu prépares tes enfants si tu as des enfants, tu prépares ton foyer. C'est-à-dire que tout, tu le mets dans ce moment de silence. Il n'y a personne d'autre que Dieu et toi. Donc c'est une vertu très importante pour tout le monde, mais encore plus pour la femme. C'est très important. C'est très, très, très important. Tu demandes à Dieu, tu confies à Dieu toutes les situations qu'il y a dans ce moment de silence. Tu demandes à Dieu les bénédictions pour ton mari. Je t'ai dit dans une petite vidéo d'encouragement, tais-toi, et pas tais-toi, écoute, mais apprenons à prier et arrêtons de nous plaindre. Apprenons à prier pour nos maris et arrêtons de nous plaindre. Parce qu'on se plaint plus et on oublie que ces gens-là, ces hommes-là qui sont là avec nous, ont besoin aussi de notre prière, de nos prières. On demande trop d'eux, la société demande trop d'eux, mais on oublie, nous, en tant que femmes, que notre place et notre position à côté de eux, c'est de prier pour eux d'abord, pour qu'ils soient renforcés, en fait. C'est très important.
C'est très important. Pendant ce moment de silence, tu dois demander à Dieu de protéger ton mari. Pendant ce moment de silence, tu dois demander à Dieu de donner la force à ton mari. Pendant ce moment, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne à mon mari le leadership, la puissance du leadership. Donne à mon mari qu'il soit un bon père. Apprends à mon mari que ses affaires marchent. Tu dois prier. Parce que oui, tu peux avoir toutes les aptitudes que tu peux avoir. Tu peux avoir tous les diplômes. Mais si tu ne mets pas, tu ne confies pas tes projets. Les paroles disent de confier nos projets à l'Éternel. Si tu ne confies pas tes projets à l'Éternel, je t'assure, tu vas réussir d'une manière. Mais la puissance de la parole et la puissance de la prière et la puissance de ta foi, plus tes diplômes, plus ton expérience, je t'assure que ça n'a même... C'est, comment dire, c'est wow. C'est tellement puissant en fait. Donc c'est très important que tu puisses parler du silence. Ta lumière brille dans le silence. Tu apprends à réveiller, ça, à réveiller en fait ces petites lumières qu'elle t'a. Tu brilles en fait. Tu deviens en harmonie avec l'univers et avec ton Dieu. Tu brilles sans te rendre compte. Tu deviens étincelante de bonheur parce que la paix règne en toi, le bonheur règne en toi et ce silence-là te bonifie en fait. Ce silence te bonifie. Donc tu brilles, you are shining. Quand quelqu'un te dit, oh mon Dieu, mais tu brilles. Mais cette brille-là, en fait, ton aura change. Tes vibrations changent parce que tu as appris, en fait, tu as pris le temps de te concentrer sur toi-même. Tu as pris le temps, en fait, d'écouter celui qui est au-delà. Tu as pris le temps de vraiment rester en paix avec toi-même parce que le silence apporte la paix. Le silence apporte la paix, apporte la paix. On dit, vous me vieux vivre sous le toit d'une femme, une femme querelleuse. Donc, pour une femme, c'est une vertu aussi, le silence. C'est très important. C'est très, 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 très important. Le Seigneur te renforce. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur te réconforte. Parce que tu es là, il n'y a personne. L'autre personne ne parle avec toi. Tu n'as que le Seigneur. Rien que le Seigneur à côté de toi. Tu n'as que le Seigneur qui est là, qui te parle. Tu n'as que le Seigneur qui te réconforte, en fait. Donc, dans ce moment de silence, tu te réconfortes. Dans ce moment de silence, tu te réfugies, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller crier, aller dire, non, tu as un problème, tu vas tranquillement quelque part, dans ton petit coin, dans ta maison, quelque part, ton endroit où tu as choisi pour prier, et tu te mets en silence. Ok? Tu te mets en silence, tu crois en l'Éternel, tu te confies en l'Éternel, et tu confies tes peurs, tes craintes en l'Éternel. Donc, c'est pendant ce moment de silence, en fait, que tu t'es différencié de la communauté. Maintenant, lorsque je parle des impassés, tais-toi, écoute, le pouvoir du silence pour une femme. On se dit souvent que oui, on veut avoir les derniers mots, surtout les femmes. On aime parler, je suis une femme. Oui, il y a des moments où j'ai aimé parler parce que on se dit toujours, ok, on va avoir le dernier mot. Le mari a deux mots, toi tu as déjà 18. Le mari a 15 mots, toi tu as déjà fini tous les chapitres. Ça là, on sait le faire. Mais Dieu nous demande de respecter nos maris. Dieu nous demande d'être soumise à nos maris. Mais l'une des manières d'être soumise aussi, c'est dans le silence. L'une des manières, l'une des clés en fait qu'on oublie, on veut parler en même temps. Tu ne peux pas avoir une conversation. Il faudrait que tu apprennes à écouter l'autre. Mais le problème, c'est qu'on apprend à écouter l'autre. Tu ne peux pas apprendre à écouter l'autre et parler en même temps. Non, deux personnes ne peuvent pas parler et dire qu'en même temps, échanger des trucs et on se dit que ben, on va en fait aboutir à quelque chose. Non. Tu dois apprendre à te taire pour écouter. Je répète, tu dois apprendre à te taire et écouter lorsque l'autre parle. Et je t'ai dit précédemment, lorsque l'autre te parle et que tu t'arrêtes, tu lui donnes de l'importance. Tu lui donnes de l'importance, en fait. Tu lui donnes de l'importance. Tu lui dis que non, que rien d'autre n'existe. Ce que tu faisais, oui, quand ton mari veut te parler, tu t'écoutes, tu arrêtes. Tu fais la cuisine, tout ce que tu fais, tu arrêtes et tu l'écoutes. Tu dis, moi, je vais t'écouter. Tu écoutes ce qu'il a à te dire. Si tu as à dire quelque chose après qu'il ait fini de parler, oui, tu peux ajouter. Mais tu dois d'abord écouter. Et pour ça, tu dois d'abord te taire. Même si tu n'es pas d'accord, je te dis bien, même si tu n'es pas d'accord. Le moment où il se permet de te parler, ce n'est pas le moment d'échanger, de donner ton avis. Non, ça va, c'est ce qui va causer les querelles. Les femmes querelleuses, on n'en veut pas. La femme querelleuse, la querelle dans la maison apporte le feu, n'apporte pas la paix. Le mari va sortir, va fuir. Ce n'est pas une solution. Apprends à écouter quand il parle. Et tais-toi. Il y va et c'est vice-versa. Tu ne peux pas avoir la conversation avec ton mari, avec ta femme, elle te parle et toi, si tu réponds non. Les hommes aussi doivent apprendre à écouter. Parce que des fois, nous, les femmes, on a envie de parler et ils ne veulent pas t'écouter. Mais il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à s'écouter l'un de l'autre.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des problèmes dans le foyer, il y a des problèmes dans les ménages, en fait, parce qu'on n'arrive pas à s'écouter. On n'arrive pas à donner la... on se dit, OK, celui-là ou celle-là ne me donne pas l'importance dont j'ai besoin. On ne prête pas, on ne donne pas le temps, en fait, à l'autre. Il faut apprendre à se taire et écouter l'autre. Il faut apprendre à se taire et à écouter l'autre. C'est très important, c'est très important. Les querelles existent parce que tout le monde veut parler en même temps. Mais lorsque tout le monde parle, ça devient une cacophonie. Il n'y a pas de communication. Pour qu'il y ait communication, il faudrait que vous parliez, il faudrait que vous échangez. Mais pour qu'il y ait une conversation soutenue, il faudrait que l'un écoute et l'autre parle. C'est quelque chose de difficile, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que j'ai dû développer moi-même parce que moi-même, j'aimais parler, mais j'aimais parler juste pour me faire comprendre. Mais j'ai appris avec la maturité d'esprit, méditer la méditation de la parole et tout. J'ai appris à me taire. J'ai appris à me taire et à écouter. Et ensuite, lorsque l'autre a fini de parler, de donner mon avis. Lorsque l'autre a fini de parler, de donner ce que je veux dire, de donner mon opinion. Mais je dois d'abord apprendre à écouter l'autre. Tu dois te taire et écouter l'autre. Ok? C'est très, 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 très important. Comment tu écoutes l'autre? C'est-à-dire que comment tu arrives à écouter l'autre? Tu arrives à écouter ce que l'autre a à dire. Tu regardes l'autre. C'est-à-dire que tu prêtes attention à ses détails. Tu prêtes attention aux détails de son visage. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à écouter. Tu passes le temps, en fait, à regarder ses défauts. Tu penses le temps à regarder la manière à laquelle il réagit, mais tu ne t'es même pas rendu compte le matin s'il s'est réveillé et s'il avait un visage souriant. Tu ne t'es même pas rendu compte si le matin ses yeux étaient rouges. Tu ne t'es même pas rendu compte si la femme, je ne sais pas si elle a mis une perruque ou bien quoi, la perruque à côté, non. Tu es tellement concentré sur ces défauts-là que tu n'arrives pas à observer l'autre. Tu n'arrives pas à taire ta petite voix à l'intérieur et d'écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est quoi? C'est regarder son attitude, regarder son visage, regarder ses yeux, regarder la manière à laquelle il parle, parce que le pot se réveille, il est malade et tu ne sais pas. Tout ce que tu veux, c'est seulement faire le bruit, faire le bruit, faire le bruit. Non. Il y en a qui se lèvent le matin, qui partent, qui ne disent même pas bonjour. Tu n'as pas écouté l'autre. Parce que t'arrêter et dire bonjour. Tu t'arrêtes et tu laisses tout ce que tu fais et tu demandes à l'autre, tu demandes à l'autre comment ça va. As-tu bien dormi? As-tu passé une bonne nuit? Même si vous avez dormi sur le même lit. Vous n'avez pas dormi dans le même corps. Même si vous avez dormi sur le même lit, vous n'avez pas le même corps. Et on passe comme ça à côté des opportunités de la vie. Des fois, la personne qui était l'amour de notre vie, si on veut parler d'amour, mais on n'a pas eu le temps de l'écouter, on n'a pas eu le temps d'apprendre à le connaître. Je te dis, dans la période de préparation, il faut apprendre à connaître la personne avec qui on veut être. Et l'un de ces moyens, c'est d'apprendre à se taire et écouter. Généralement, lorsqu'on on vient de rencontrer quelqu'un, on a envie de raconter tout ce qu'on veut raconter. On a envie de raconter tout ce qu'on veut raconter. Mais le silence, lorsque tu t'arrêtes, et tu montres non seulement en tant que femme, surtout pour les femmes, tu montres que tu es une femme spéciale. Je te dis les clés. Tu montres lors d'un rendez-vous. Ne sois pas celle qui va commencer à raconter, raconter, raconter. Non. Tu observes et tu te tais. Tu observe et tu te tais. Parce que si tu arrives, tu commences déjà à entrer de parler, à raconter, oui, moi je suis ceci, cela, tu commences à te vanter. Je t'ai dit que l'homme ne va pas épouser tes diplômes. L'homme n'épousera pas tes diplômes. Il te prend parce que tu as des qualités qu'il a vues en une reine, il a vu une reine en toi, il a vu sa femme, il a vu la mère de ses enfants. Il n'a pas vu tes diplômes. Ce n'est pas écrit ici que tu as le bachelor, que tu as le master, que tu as le PhD. Il doit s'en faire badal. Et je te dis que c'est l'une des erreurs qu'on commet. Et parce qu'on n'arrive pas à contrôler ce qui sort de nos bouches. On veut se vanter, on veut qu'on nous voie. Non, ça c'est l'extérieur. Ça c'est quelque chose que tu ajoutes. Mais ce n'est pas ce qui fera que l'homme va t'épouser parce que tu auras un diplôme. Non. Pendant cette conversation, ce premier rendez-vous, tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à écouter. C'est comme ça que tu apprends à découvrir. Oh, est-ce que la personne aime manger avec la fourchette? Est-ce que la personne aime mâcher? Oui, ces petits détails, hein, ça va peut-être faire rire certains. Mais c'est très important parce que tu commences à découvrir l'autre. Tu vas commencer à dire, OK, pendant qu'il est en train de parler, de commander quelque chose dans un restaurant, oh, il n'aime pas les fruits de mer, oh, il n'aime pas le niembois, oh, il n'aime pas ceci, cela. Mais tu apprends comment? Pas en parlant, en écoutant et en observant. Donc, tu ouvres tes yeux et tu fermes tes oreilles. Et ta bouche aussi est fermée.
Tu restes là, tu écoutes, en fait, tu regardes. Tu l'observes. Tu regardes sa manière de s'asseoir à table, sa manière de se positionner. Tu écoutes les projets qui viennent. Qui viennent te dire, OK, parce qu'il y a des raisons, il ne t'invite pas par hasard. Mais tu ne peux pas faire ça si tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas en silence. Tu dois apprendre à écouter. On se lance dans des discussions inutiles. On veut gagner, on veut tout à fait, on veut avoir raison à tout prix. Non. Des fois, tu n'as pas besoin de gagner un argument. Des fois, tu n'as pas besoin de gagner un argument. Et ce n'est pas parce que tu as gagné un argument que tu vas dire que oui, tu as raison, oui, c'est vrai. Non, 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 non. Des fois, le silence vaut mieux. Lorsque tu sens que l'autre est en train de monter sur ses gonds, tu te retires tranquillement. Et tu te tais. Tu te calmes. En te calmant, l'autre va faire. Et maman, parce qu'elle va dire, oh, tu ne parles plus ou tu ne fais plus. Tu dis, non, je t'écoute. Je vous assure, lorsque tu dis ça, non, je t'écoute, la personne va dire, oh, donc tu prenais attention à ce. Parce que des fois, sous l'effervescence de la colère, on raconte, on raconte, on raconte. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de parler et l'autre ne parle pas. Donc, toi, en t'arrêtant, en te mettant en arrière et en observant l'autre, je t'assure, l'autre va s'arrêter de parler. Que tu le veux ou non, parce qu'il va respecter ton silence. Et c'est comme ça que tu pourras échapper, en fait, tu pourras éviter, en fait, que ta maison devienne une maison querelleuse. C'est comme ça que tu pourras faire en sorte que la paix se restaure, parce que tu auras appris à faire silence, tu auras appris à écouter. Et lorsque l'autre a fini de parler, tu dis, OK, tu as fini, papa, tu as fini, maman. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je t'assure, tu m'en dis sans te rendre compte, tu donnes le pouvoir à l'autre. L'autre se sent important. Et ça fait en sorte que ben, la confiance, en fait, revient, en fait. Ça fait en sorte que la colère, parce qu'on dit les paroles douces, apaisent la colère. Et lorsque tu prendras la parole, tu la prendras de manière posée. Tu la prendras de manière posée parce que tu auras eu le temps de te taire. Et lorsque tu as le temps de te taire, ben, même si tu avais la colère sera attisée. La colère sera attisée parce que tu auras eu le temps de souffler, en fait, faire une pause, en fait. Tu auras eu le temps de te reconcentrer avec toi-même. Donc, même si tu es énervé, lorsque si tu fais le silence en toi, ça te permet de te reconcentrer. Ça te permet d'enlever cette colère-là. Ça te permet d'enlever cette adrénaline qui boue là. Ça te permet de te calmer. Et une fois que tu vas faire sortir les paroles qui vont sortir après ça, ce seront des paroles constructives. Des paroles bonifiantes et non des paroles destructives. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche sur la colère, ça fait en sorte que ce qui sort de ta bouche, je te dis que la langue n'a pas d'os, mais elle est aussi puissante et aussi tranchante qu'une lame de couteau. Lorsque tu sors, tu fais sortir quelque chose avec la colère, tout ce qui sort là, les paroles s'envolent et ne reviennent plus. Elles sont parties déjà. Et je te dis que tout ce qui sort de ta bouche, tu peux maudire ta vie, tu peux bénir ta vie. Tout ce que tu fais sortir sur le coup de la colère sans réfléchir, ça peut être dangereux. Et tu vas arrêter les paroles plus tard. Parce que l'âme écoute ça, l'âme enregistre. Le subconscient enregistre ces paroles négatives, en fait. Et elles peuvent être vraiment néfastes pour toi. Mais lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de faire le silence autour de toi, et ça te permet de calmer, en fait, cette colère-là. Ça te permet de calmer cette colère. Et tu ouvres la bouche maintenant, tu as le moment de bien parler, de parler doucement, parce que tu as eu le temps de réfléchir pendant que tu écoutais l'autre. Pendant que tu écoutais l'autre, ça te permet de réfléchir, en fait. Ça te permet de voir, en fait, analyser l'autre différemment. Parce que des fois, on n'a pas le temps, on n'écoute pas l'autre, on ne prend pas le temps d'écouter l'autre et de demander ce qu'il a besoin. Et en amour, on est égoïste, surtout en amour. On est très égoïste parce que et c'est l'erreur qu'on fait. On va dans une relation en voulant satisfaire ses besoins à soi-même, ses propres besoins. Non. Le but de l'amour est de rendre l'autre heureux. Bien sûr, tu dois d'abord toi-même être heureuse parce que ce n'est pas l'autre, ce n'est pas en ayant avec quelqu'un que tu vas dire, OK, je veux que cette personne me rende heureuse. Non, ce n'est pas sa mission à elle ou à lui de te rendre heureux. C'est toi-même qui dois être heureux avant de rentrer dans cette relation. Mais une fois que tu vas dans la relation, ta mission est de faire en sorte que tu écoutes l'autre et que tu la rendes heureuse. OK? Tu la rendes heureuse.
Donc, tu dois apprendre à écouter l'autre, tu dois apprendre à écouter ce qu'il veut, ce qu'elle veut, tu dois apprendre à écouter ses besoins, tu dois apprendre à écouter ses envies, tu dois apprendre à écouter, lui demander en fait ce que veut, how can I make you happy? Comment puis-je te rendre heureux? Et lorsque tu le fais, tu la regardes dans les yeux. Tu la regardes dans les yeux parce qu'on dit les yeux sont miroirs de l'âme. Tu la regardes dans les yeux. Tu lui donnes de l'importance, tu laisses le téléphone à côté, tu laisses les messages qui passent à côté et tu l'écoutes. Et ton corps, en fait, le langage de ton corps dit beaucoup. Tu l'écoutes, tu te concentres et tu la regardes. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu regardes à côté. Non, ce n'est pas le respect que tu donnes à la personne. Tu dis à la personne, rien n'existe plus autour de toi, il n'y a que toi qui existes. Tu la regardes dans les yeux. C'est très, très, très important. Arrêtez d'interrompre l'autre pendant qu'il est en train de parler. C'est très dangereux, c'est pas bon. C'est un manque de respect. Tu ne peux pas interrompre l'autre pendant qu'il est en train de parler. Non. Tu parles avec ton partenaire, ta partenaire. Tu lui attrapes les mains. Oui, le toucher est très important aussi. Tu attrapes sa main qui sent que oui, tu es là avec moi, je suis là avec toi. Tu l'attrapes. Tu l'attrapes. You hang on his hand. Look at him on his eyes. And he say, I got you. I'm here for you. Je suis là pour toi. Tu attrapes sa main qui peut sentir que oui, même si à un moment il avait peur, il se rassure. On décide d'abandonner une relation à cause des habitudes qui naissent et tout, les comportements de l'autre tout d'un coup. Mais on oublie que on n'a pas eu le temps d'étudier l'autre. On n'a pas eu le temps d'écouter l'autre. On n'a pas eu le temps d'écouter les doléances de l'autre, en fait. Des fois, il nous suffit de quelque chose de simple. Demander à l'autre ce qu'il veut. Comment je peux faire ta vie? Comment je peux faire que ta journée soit meilleure? Avant de se plaindre, avant de regarder les défauts de l'autre, comment puis-je faire pour que ta journée soit meilleure? Parce que ton devoir à toi, ta fonction à toi, c'est d'apporter un plus dans la vie de l'autre. Mais pour ça, tu dois apprendre à écouter l'autre. Tu dois apprendre à faire de lui ta priorité. Et pour ça, tu dois prendre le temps d'arrêter d'étudier ce qu'il fait, d'étudier ce qu'elle fait. La femme, par exemple, c'est un mystère, c'est un grand mystère. Elle change en fonction des lunes, c'est pour ça qu'on parle des lunes. La femme elle-même, elle ne se connaît pas. Pendant les 9 mois de grossesse, oh, c'est encore un autre dilemme. Donc, tu ne connais pas ta femme. Tu ne peux pas te connaître ta femme du 9e mois. Tu ne peux pas. La femme que tu as connue qui n'était pas enceinte et la femme que tu vois enceinte, c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Généralement, d'autres personnes disent on dit par exemple que, OK, lorsque la femme attend une fille, le cerveau est tranquille. Parce que la fille, généralement, elle a une manière de voir les choses. Et lorsque l'homme, la femme attend un homme, my goodness. Tu vois comment, comment dire, le comportement de l'homme, parce que le comportement de l'homme ici est comme il est. Mais ça, tout vient en fait dans la formation, en fait, pendant ces 9 mois-là. Et pendant ces 9 mois, le comportement de la femme change. Donc, la femme docile que tu avais avant, là, tu n'as pas pris le temps d'écouter et de voir que la femme a changé d'état, parce qu'elle n'est plus seule, elle a quelqu'un à l'intérieur d'elle. Donc, la manière à laquelle elle va te parler, où elle va te répondre, des fois, ce n'est pas elle-même. Mais tu n'as pas pris le temps de te rendre compte que oui, elle a changé. Ce n'est plus elle, elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui est venu, un être qui la modifie. Et tu vas te fâcher. Il y a des hommes qui quittent leur foyer parce que la femme est enceinte, parce que la femme a mis le feu. Non. Des fois, il ne suffit juste qu'un petit mot. Tu parles à la femme, il y a une manière de parler à la femme. Tu parles à la femme de manière, même si elle est genre agitée, tu la rassures avec tes mots. Tu l'attrapes. Des fois, elle a besoin juste d'un petit massage derrière. Des fois, elle a juste besoin de ta petite parole. Des fois, elle a juste besoin que tu sois à côté d'elle. Oui, des fois, elle a juste besoin que de ça, c'est tout ce dont elle a besoin. Et tu verras, ça va la calmer. Des fois, elle a juste besoin que tu lui touches les joues et tu dis, non, chérie, je t'aime, tu es jolie. Des fois, elle a juste besoin d'un petit compliment. Des fois, on est tellement occupé à regarder à gauche, à droite, à courir après l'argent, qu'on n'a plus le temps d'admirer celui ou celle qui est à côté de nous. On n'a pas le temps, on n'écoute plus l'autre. Quand l'autre te dit, mon Dieu, j'ai mal au dos, non, ok, je suis désolée, prends ta petite main, juste 5 minutes, tu masses l'autre. Ça va? Ok, désolée, vraiment. Juste cette petite attention-là, tu écoutes l'autre. Ça apaise, ça dit, oh, il écoute lorsque il écoute ou elle écoute lorsque je dis. C'est très important. La femme, il faut apprendre à connaître ton homme aussi. Apprends à connaître ton homme. Il y a des moments où l'homme n'aimerait pas que tu le déranges. Le moment, il aimerait ce silence-là. Que pendant tout ce moment, toi, tu veux apprendre ceci, tu veux faire ce silence. Il vient à peine d'arriver du boulot. C'est là où tu commences à dormir toutes tes doléances que tu as fait la journée. Ce qui s'est passé, les problèmes qui sont passés. Non.
Je te dis, lorsque tu arrives, tu reçois un étranger qui vient de loin, on te donne un verre d'eau. Tu lui donnes un verre d'eau. Tu lui permets le moment de s'asseoir. Si tu peux aider, c'est dans ta culture, je te conseille. Tu veux, tu l'aides en levant ses chaussures. Tu l'aides, tu t'assois, tu dis, papa, ça va. Tu as passé une bonne journée. Tu commences à l'écouter, il va te parler. Ne commence pas à parler, 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 parler. Non. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas aimé là, tu attends d'abord qu'il se calme d'abord. C'est un étranger qui vient de loin. Tu ne sais pas qui l'amène. Tu ne sais pas comment il a passé la journée. Écoute d'abord et tais-toi. Écoute d'abord et tais-toi. Si tu es appelé à passer la vie avec elle ou avec lui, tu dois écouter. Tu dois apprendre à l'étudier. Tu dois apprendre à savoir la personne qui est devant de toi. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à passer des moments de qualité ensemble. Vous devez apprendre à passer des moments de qualité ensemble. Et c'est ce qui manque beaucoup dans les couples. Parce qu'on n'écoute pas l'un l'autre. Des fois, la femme ou l'homme n'a pas besoin d'aller quelque part. Juste passer un moment ensemble, à côté, allongé sur le sofa, que vous ayez des enfants ou non. Des fois, tu as juste besoin de que l'autre t'enlace. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as besoin de rien du tout. Je ne parle pas de faire l'amour et tout ça. Je parle juste d'être là, d'être enlacé l'un à l'autre. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible t'a dit, homme, aime ta femme comme tu aimes, comme j'aime mon église. Et femme, respecte ton mari. Respecte ton mari. Lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair. Mais pour ça, là, il faudrait que vous appreniez à vous connaître. Les couples qui sont restés 30, 40 ans ensemble, ils ne sont pas connus seulement l'amour, non. Le fait de connaître ce que l'autre aime, tu évites les problèmes. Le fait de connaître ce que l'autre n'aime pas, tu évites, tu ne fais pas parce que tu écoutes et parce que tu te tais. OK? Ben, c'était ma petite contribution pour ce matin. Si tu la regardes, cette vidéo en replay, partage-la avec tes amis. J'espère qu'elle t'a édifié. Ben, il est temps que je m'en aille. Passe une bonne journée ou un bon après-midi. C'était moi, Bricia. Allez, gros bisous. Le pouvoir du silence dans ta vie, tais-toi et écoute. Bisous. Bonne journée.